Barre des tâches en bas à droite, 28 degrés. Oui, il fait beau. Je trouve stupide que ça s'affiche car je suis au courant, oui, qu'il fait beau ici. Mais ce n'est pas tout. Si je m'avance un peu, si je clique un peu dessus, là, vous vous rendez compte que c'est de là, oui, voilà. C'est Microsoft News et ça vient de s'ajouter dans ce qu'on appelle la barre des tâches. Alors j'ai cherché comment supprimer et je n'ai pas trouvé. Alors j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé, vous voyez, c'est ça s'affiche des, oui, des choses qui sont pas intéressantes du tout pour moi. Je ne veux pas des Microsoft News. Il faudrait donc pour supprimer ce Microsoft News avec la météo en premier, mais aussi tout le reste, donc qui se télécharge, et oui, ça nous prend du temps, ça nous prend de tout, et c'est de l'intrusion. Donc, clic droit et sélectionner actualité et champ d'intérêt. Vous voyez, il faut chercher. En fait, le problème, c'est qu'il faut toujours chercher. Il nous ajoute des tas de choses, c'est un peu comme les conditions générales à 150 pages, et on sait qu'on ne peut pas y accéder à tout, donc on met oui. Et désactiver, donc voilà, ce serait simplement ça. Afficher actualité et champ d'intérêt après un clic droit sur la barre des tâches. Et désactiver, donc j'espère que ça va fonctionner. Et oui, il n'y a plus que sur mon écran, oui, qui n'est de nouveau plus très propre. Je sais, on va encore me dire, je montre Microsoft News et on me répond sur l'écran. Mais c'est aussi un bouquin qui sort aujourd'hui, oui, face au pilier de l'avoir, le candidat de lettres. Je vous en reparle, présidentiel 2022. L'avoir jusqu'au gouffre ou enfin l'être? What?